Au secours. Je suis fatigué. Failli ne pas lancer ni le stream, ni la VOD, ni quoi que ce soit, et ne rien faire. Mais je sais que si je lance, après quelques instants, je serai heureux. Alors voyons voir si c'est le cas. Bonsoir. Si nos cams, hein. La cam arrivera peut-être à tout moment. On en était où? Je sais plus. Je sais plus. Si on avait. Oh, le drama. Le drama avec Barrett, c'est ça? Oui. Le drama avec Barrett. Et maintenant on peut enfin fouiller le désert. On peut enfin fouiller le désert avec le baggy. Et du coup, moi je suis chaud de partir depuis la porte du désert. Une fois que j'aurai un peu joué avec le baggy. Ah, c'est sympa. Sympa, c'est sympa. Où sont les loots? Ah là. On peut juste rouler dessus. Comme as. Une dinguerie. Et quand il y a des ennemis. Ah ouais, juste comme ça, on. Ah d'accord. Et du coup, si j'appuie en bas. Ah ok. C'est ce genre de. Et tout le monde se téléporte dedans. Ah d'accord. Ah d'accord, ah d'accord. Bah c'est génial. C'est génial, j'adore le futur. Comme quoi, on aurait pu faire popper les chocobos de nulle part, comme j'avais dit. Hein. Sous nos jambes, comme ça, ça va plus vite, comme dans Elden Ring. Et c'est un peu le son du jeu, parce que j'ai pas l'énergie aujourd'hui, je suis fatigué. Effacez-moi la mémoire pour redécouvrir le jeu. Ah, c'est Elnote, il est là. Bonsoir Elnote. Je suis mort du cul. Du coup, une fois n'est pas coutume, petite cesse Chinokam. Ça va me faire du bien. Ça va me faire du bien. Attendez, je vais serrer ça et me mettre un peu plus à l'aise. Ah, parce que ça va venir avec le temps en vrai, sinon je vais m'endormir. Ce que je conseille qu'on va faire. Non, 5 heures de jeu, banger, mieux que le 16, ça a rien à voir. Hein. Le 16, ils l'ont fait en même pas 2 ans. Hein. Ce jeu, avant que Remake sorte, ça faisait déjà je sais pas combien d'années ils travaillaient dessus. Pas même en pleurs. Le 16, c'est vraiment pour vous dire, je vais vous montrer comment on fait vite fait un bon jeu. Vous faites chier là. Avec vos 8 ans de développement pour un FF15, quoi. Enfin, je veux dire FF13 versus, bien sûr. Je vais partir de là, je pense. Ou alors je pars de là. Ou alors on y va en voiture, tu vois. Comme ça, on rigole un peu. Et on ramasse du loot. On voit un peu ce que ça donne, la route. Et on tape les mobs sur la route, allez. Oh non, mais eux, c'est pas les mobs horribles qu'il faut taper dans le dos. Oh, je suis deg. Mais mon dieu, mais c'est quoi? C'est pas les mobs qu'il faut taper dans le dos?
Ouais, faut taper dans le dos. Mais c'est impossible. Now that was something else. Je l'avais mis en raccourci en plus. Oh non, pas les oiseaux, commencez pas. Pas trop posé aujourd'hui. Bah oui, mais justement, vu que j'étais mort et tout, je suis en mode ça va me faire du bien de jouer. Mais j'avais envie de jouer à autre chose, tout seul dans mon coin. Et puis après, j'ai voulu lancer un Epic, puis j'ai eu la flemme. Et j'avais envie de jouer à ce jeu, mais je suis obligé de jouer en vidéo, alors je joue mes no cam. Et me demandez pas d'être énergétique. Laissez-moi tranquille. Du coup, voilà, je peux casser. Ah, ça casse pas le bois. C'est juste on passe au-dessus en fait. Ah. Oh, let's go, je roule sur les bouts de bois. Très bien. Bon, on va fouiller à partir d'ici alors. Mais du coup, j'ai pas envie de fouiller comme ça. Je peux faire un chocobo ? Oh mon dieu, ça prend 3 jours de descendre. Ah, je peux pas venir avec mon chocobo ? Oh. D'accord. Bon bah vas-y. Hein. Vas-y en buggy alors. Hein. Ramadan dur. Ouais, je sais pas si c'est le ramadan ou juste... D'habitude je me repose, je me suis entraîné aujourd'hui. Peut-être 4 jours d'entraînement de suite pendant le ramadan, ça m'a vraiment épuisé. En fait demain je peux pas m'entraîner donc je suis obligé de m'entraîner aujourd'hui. Enfin obligé. Si je voulais faire toutes mes séances. Du coup je me suis entraîné aujourd'hui. Oh, j'aime pas le buggy. La manette elle fait que trembler, ça m'énerve. On le connaît lui, oui. Franchement, je vais le faire chill à pied. J'ai envie de jouer le chat. Attendez. Ah, mais il faut d'abord que je level up Tify Barrett. Combo surpuissant, uppercut énergisant. D'accord. On peut rater une arme. Mais non, on peut pas rater d'arme. Je te raconte. T'as pas. Toutes les armes, elles sont pas chez les vendeurs quand tu les trouves pas. Me réponds pas en vrai, ça se trouve, c'est un truc plus tard, on verra. On verra. Mais c'est dommage. Donc pas loin d'ici, on s'était fait choper par la tornade. Je crois. On verra. En tout cas, c'est dommage, t'as raté une arme, mais bon, c'est pas grave. De toute façon, t'as fini le jeu. Maintenant, tu peux attendre Dragon's Dogma. Ah, je pensais qu'on aurait un chocobo, moi, dans la zone, quand même. Genre, le choix, laisser la chance aux chansons, quoi. Ah merde. Ça peut être trop de...
On fait trop de dégâts à la pauvre chimère. Vous me connaissez, hein. Moi, pire que la maladie de fouiller les zones, j'ai la maladie de nettoyer les maps à cause de Ease. Du coup, je fais des choses dégueulasses grâce au parcours. Vous savez que le parcours, ça reste... Moi, je fais partie des mecs qui sont heureux qu'il y ait du parcours dans le jeu, tu vois. Ça me permet d'assouvir mon envie de... Mon envie dégueulasse de... Déplacement dégueulasse, d'ailleurs. Mon envie dégueulasse de déplacement dégueulasse. Région de Corel. Il me faut de l'eau. Sinon je vais mourir. Attendez. Oh là là. Oh Bébou il a dû se nerf. Excuse-nous, tu fais trop de dégâts, trop fort. Trop fort elle. Trop fort le boug. Ces bouteilles d'eau de fils de... Vraiment, bouteille d'eau de merde. Hein. Ces capuchons d'écolo de merde. Casse-les. Bref. Ça va dans le langage. Et vous savez, hein. C'est de l'excrément de taureau. Oh là, ça pour boire de l'eau à chier en plus. J'ai mis de l'eau partout, sa race. Des bouteilles de lâche. Hein. Je vais pas nager plus loin. On part à un chocobo dans cette région ou pas? Je veux la réponse. Je vais aller chercher direct chocobo d'un. On a hâte de prendre la voiture 24. Il avance trop bien le buggy. Ça pour nettoyer la carte bien sûr. Oh là là, descend du véhicule vraiment. Oh. Un port de chocobo. Il est tout biaisé. Très bien. Rappelez-vous du meilleur ami de Barrette. Hein. Il s'est fait fura par le jeu vidéo. Hein. Pars-toi de là, Tifa, c'est bon. On est gentil avec toi et pourtant tu viens pas avec nous. Tu viens même pas nous voir quand on est malade dans le Gold Saucer et maintenant tu nous colles. Tire-toi. Comment on fait pour aller là? On peut aller là? Je pense pas. Une illusion. C'est moi, nuage. Nuage. C'est moi, nuage. Quoi ça? Ouais.
Il y a un petit passage ici sur le côté. Hein. Mais non, mais c'est la même chose. Ah, mais c'est par là qu'on est sorti avec la voiture, en fait. Quand on a tout cassé avec le buggy. Bon, écoutez, j'appelle le buggy. Ouvrir la fenêtre. Non, j'ai un coup de chaud à cause de l'eau sur mon t-shirt. Je suis en full t-shirt mouillé. Je suis bloqué, let's go. Ah mais non, c'est la tombe de... Ah, Gomenasai, mec. Repose en pièce. Reste une pièce détachée. Des tornades pour nous faire chier. Allons par là. J'ai l'impression qu'il y a plein de trucs cachés. Ah, déjà là, il y a la peinture jaune. Uncharted. Et 80% de bonnes réponses avec Irith. Seulement ? Non, ensuite avec Tifa. Oh. Moi, je crois que j'ai 100% pour tout le monde. Mais du coup, le jeu par défaut, il te donne Irith. Parce que bien sûr, ils veulent pas que tu sois heureux, quoi. Ils veulent que tu sois méchant avec Irith, quoi. Les salauds. Je ne céderai pas à la cruauté. Là, je serai juste dans sa soupe, en fait. Il pourra pas savoir que c'est moi. Ouah, mais qu'est-ce qui se passe ici? Oh, c'est pour aller dans l'acte 2, ça. Je connais. Des speedrunners qui font ça. Genre, elle note et tout. Ouais, dans l'acte 2, ça. Ah, j'ai trop de morceaux de zinc. Ça, c'est grave. Comment tu peux avoir trop de morceaux de zinc dans ta vie? J'étais en mode c'est qui lui, mais en fait c'est le chat, j'ai l'impression que c'était un... J'ai l'impression que la couronne c'était le visage et le visage du chat c'était le corps. Mais je l'améliore ou pas? Mais non, j'ai déjà fait, j'ai pas de points. Ouais, je gagne pas de points. Oh, j'ai ça maintenant. Bien sûr. J'adore le zinc. Il est pas mal renforcé. De toute façon, je le fais de toute manière. Je commence à avoir assez de mithril ou pas? Bon, on peut dire qu'on en a assez, on en a 12. Ah, comment ça s'est fait? Ça aussi, allez. C'est pour une quête, on dirait. Ok, 5. Faut que je refasse le Quetzalcoatl? D'accord. Le futur. Pas 5 trucs, amulette de sorcier. 6 amulette de l'au-delà. Oh, elle est stimulant, eh. C'est pas une altération de mélancolie. Ah, d'accord, je pensais que c'était un buff. 1500 PV à tous les équipiers. Méga brumi potion. Ah, les brumi potions, c'est des AOE. Moi qui ai toujours pas de soin AOE, quoi. Non, je dois d'abord perso monter le perso level max puis tester le mode hard demain ou quoi. Non à quoi? C'est quoi? Qu'est-ce que j'ai dit?
Et ouais, ouais, tu vas faire le New Game Plus, quoi. J'ai dû dire une dinguerie, il m'a dit non. Pardon. Je sais même plus ce que j'ai dit. Je vais essayer, lol. Ouais, ouais, ça le New Game Plus, il a l'air cool. Ah, déjà dans Remake, le New Game Plus, ça a l'air plus sympa que le jeu. Mais il se passe quoi ici? Mais en fait, c'est parce que je dois faire les tours. Je suis en train de faire la même chose qu'au début du jeu. Je fais n'importe quoi. Je fais la même erreur qu'au début du jeu. C'est-à-dire, je joue sans jouer. J'arrête de faire ça. Les mêmes erreurs. Ah, il a pas voulu sauter, c'était trop. Ah ouais, la boss c'était chaud. Oh les hey, check it out. Oh la dinguerie. It's just your imagination. Oh la dinguerie. Ok, je vais revenir pour des quêtes et tout. Là je fais n'importe quoi, on se bat. Ah mais y'a rien. C'est pas la sortie. Oh la lumière hein. Oh le ciel est cielique hein. Elle est sortie comme ça. Possible d'appeler le buggy ici. Rien n'est impossible, tout est transmis. Ah, je dis rien n'est impossible, tout se transforme. Erit. Pas passé. Franchement, monter dans le buggy, c'est plus rapide que descendre. Hein. En fait, descendre du buggy, il faut attaquer des monstres. Sinon, tu descends pas, en vrai. Oh, crâne qui gratte, mais tout fait aucun sens aujourd'hui. L'homme qui essaie de pas dire de gros mots, tu sais. Mais c'est impossible pour moi. Je me sens obligé de longer les murs. Cette zone, elle va me rendre fou. Elle va me rendre fou parce que je peux pas jouer comme j'ai l'habitude de jouer. En plus, je t'ai pas passé par ici. Parce que j'avais pris l'autre route, tu vois. Celle-là, c'est la route du cactus, tu vois. Là, c'est la route... De la noirceur, rapport de chasse, ah bah tu vois. Ah mais je peux découvrir les choses sans... Ah. C'est pas mal, c'est-à-dire que je peux découvrir les trucs sans forcément... Mais il est monté, moi je peux pas. Non. Et voilà, là il y a le trou magique. J'étais tantôt avec le cactus. Très bien. On peut découvrir les trucs sans avoir activé les tours maintenant. Pas comme au début du jeu c'était à cause du tuto. Utiliser la lampe torche de mon téléphone ou quoi? Oh le mur invisible est... Regardez sur la sauvegarde 10, c'est ma sauvegarde de jeu. Infliger l'état à... Blah, ok. Wow, I almost feel sorry for them.
Nice. That was very impressive work, Cloud. Using the data from your battles, I've devised a new trial for the simulator. Which I supervise. Ouais, le bot hard, ça ira forcément... Parle pas ! Le rang hard, ça ira forcément plus vite. On va pas devoir fouiller, j'imagine. En vrai, on fouille pourquoi ? Surtout pour la map. Est-ce que... Ouais, en fait, moi, le problème, c'est que je peux pas jouer au mode hard si quand j'ouvre la map, elle est pas déjà découverte, tu vois. S'il y a re du gris, c'est impossible. Je vais me sentir obligé de re-clear. Genre, je peux pas avancer en voyant une carte et juste là où j'ai marché, c'est comme là, tu vois. Là où j'ai marché, c'est colorié. C'est impossible. Même si ça sert à rien, parce que je l'ai déjà fait. Donc ce sera le point de non-retour pour moi. Si tout, si ça progresse. En fait, pour moi, tous les points d'exploration, tous ces trucs devraient être conservés. Oh, des pampas, vraiment, la dinguerie. Ah, des pompas, c'est encore mieux. Pompas. Mais avec Barrette, c'est une dinguerie. Avec une Barrette, c'est trop bien pour tuer ces trucs-là. Je suis en chapitre 9 et je te dis. Ah oui, mais c'est vrai qu'on peut sélectionner... On peut sélectionner le chapitre qu'on veut. Moi, j'ai plus en mode... comment dire. J'espère que... Je me demande qu'est-ce qui... Quand tu fais New Game Plus, qu'est-ce qu'il y a à refaire? Si c'est juste l'histoire, est-ce que les quêtes secondaires, faut les refaire, tu vois? Comment ça se passe? Est-ce que vraiment tout est comme si tu faisais une nouvelle partie, mais c'est New Game Plus? Ce qui est logique, parce que quand tu fais New Game Plus, ben, c'est dans le titre, c'est New Game. Mais des fois, il y a des trucs qui sont conservés, je sais pas. On verra. Ouais, quel genre de New Game ce sera? Moi, ça me trigger le gris dans les mobs. Je sais que c'est bête, hein, en vrai, comme raisonnement. Hein. Mais bon. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Hein? Ah, je suis pas mécontent d'avoir lancé, en vrai. Ça me détend. Je sens un peu reposé. Plus que je desserre un peu mon siège qui est trop. Le dos est trop droit. Ouais, ouais. Faut apprécier un peu d'être assis comme un connard. Ah là, je me sens mieux. Là, je suis assis comme un connard. J'aime bien les déserts. Vraiment des zones que je kiffe. C'était quoi ici? C'était la planque de Barrett? Ah non, c'était le Undersaucer. Et c'est comme ça qu'on est arrivé. Vous avez dit si on avance tout droit, on arrive chez le mec, chez le coupable. C'est ça. En plus, c'est vrai, plus ou moins tout droit, c'est le coupable. Ok, j'ai fait la zone, je check le milieu. Il y a peut-être des mobs que j'ai pas fait. Est-ce que j'ai augmenté les capacités de mes frères? Non. Faut que je le fasse. Hein. Barrette, c'est quoi encore? Je l'ai pas mis, c'est pour ça que j'y arrive pas. Hypercute. Je vais mettre Barrette en leader d'ailleurs. Comment tu fais ça? J'aime bien Barrette avec ses lunettes de soleil. Vu qu'on est dans le désert. Merde. J'ai appuyé sans réfléchir. Shit.
together. Oh, right. Watch and learn. Want some more? Oh la la. Taken over. No holding back. Je vous jure quoi. Il y a pas, ils n'ont pas assez de PV pour faire quoi que ce soit en fait. Ouais taper un ça. J'aime beaucoup la musique aussi. La musique évolutive comme ça n'empêche dans ce jeu, c'est trop bien. Alors t'as le thème de la zone, tu rentres en combat, le thème évolue en mode combat. J'aime trop bien ça aussi. Comment tu fais quand il esquive tout le temps? Je pensais qu'avec Barrette, à force de tirer, à un moment tu touches. Bon, bref. Est-ce qu'il y a grand chose dans ce tunnel là? Je crois pas que je l'avais looté. Check. Je fouille comme si j'avais un chocobo pour renifler le sol quoi. Ah, il est stylé Barrette quand même. Ah, double chimère. En vrai, j'aime pas quand un personnage, quand c'est pas Cloud au début. Nice. Tout le monde a envie de mourir, ça fait plaisir. Je pense que cette zone est faite. Et qu'on peut aller à la tour. Mais ici, je peux m'asseoir gratos. Merde. Pompé. Conserve tout que chasse map. Que chasse map ah. Chasse map, etc. Ok. Ici. On me TP là et on va traverser. Depuis. Ou alors je fais la tour directement déjà. Mmh.
Ça c'est fait. Il faut le buggy. Sinon je peux pas traverser. C'est moi ou c'est un mog de l'autre côté? Pourquoi pas? Ah ouais. Ah non, c'est un chocobo blanc, ok. Je te suis, bro. Ah ok, juste là. Pareil, quand il est assis dans la voiture, il est vraiment en mode chillax, hein. Loveless. Une plume de chocobo. Pat pat. Toujours pat pat. C'est bien de pat pat. Mettre le son comme il est d'habitude. Encore eux. Ah mais il a l'air différent lui. J'ai déjà analysé. On dirait. Oh, d'accord, il a analysé le... Ouais. Oh là là. Ok. Faut attendre qu'il fasse des compétences en gros, les pampas. Et je crois que quelqu'un dans la team là a dû activer, a dû terminer ses compétences, non? Tiff, on va mettre, le chat là, Kate, c'est donc il a quoi? Méga jaune, ah voilà, mégaphone jaune, ah mais je lui ai pas mis des matériaux, je suis un connard. R d'effet. Ah, j'ai R d'effet maintenant. Nice. Évolution matériel, chance augmentée. Très bien. Voyons voir s'il y a des trucs intéressants à level up. Garde renforcée, expertise d'objet. Esprit, j'ai jamais level up. Ah, tu sais quoi, on va le faire. Ainsi, un petit peu, non, esprit. Même pas, elle est à 0. Elle n'avait pas mis avant sur quelqu'un, c'est bizarre. PV augmenté. Il va augmenter toujours bien, donc pourquoi pas. Ah, j'ai une autre chakra level 3. Oh, je me suis fait chier à level up chakra pour dropper une level 3. Analyse, vol. Transmutation, maîtrise d'objet. Voix TB. En bleu, là, il y a quoi? Magie auto, absorption PV. Absorption PV, pourquoi pas. Glissement défensif. Renforcement défensif. Mais la petite, elle a déjà tout maxé. Oh. Contrainte. Bénéfice. Vent. Poudre. Glace. Feu. Bah, tu sais quoi. Ah, j'ai une résistance d'altération déjà level 2. Ah ouais. Je vais faire absorption PV. Sur le loup. Ah, du coup, je vais mettre la level 2. Je vais regarder qui a déjà maxé tout. Ou de remaxer. Bon, pourquoi pas maxer une autre foudre, allez. Le glass foudre, PC augmenté, PV. Ici, on a foudre presque au max. Soin, résurrection, ok.
Affaiblissement offensif et défensif. Ça peut être l'autre alors. Et pourquoi pas contrainte, comme ça c'est fait. Ici vent maxé et on prend un autre vent, de toute façon est-ce que t'as vraiment besoin de vent? Affinité élémentaire, hein. Distance, garde. Ok, ici chakra prière, concession PV feu. Ça c'est pas mon feu à moi ça. Ah si, ah non. Ah, tout le monde a feu max ici. Mais c'était pas un mec de la foudre à la base, Barrett. Il avait une autre garde renforcée, allez. Ça fait qu'il aura plus aucun spell. Lui il a air d'effet, renforcement. Je vais lui mettre Bon, pour le moment je m'en fous, je lui volerai plus tard. Et du coup en arme, faut lui mettre des trucs. Mog prorogateur, cuirassé, moins de sang, la chance à d'autres gros mog. Ah oui. Batailleur, moins de 10% des dégâts du gros mog. C'est un peu la vitesse de restauration de PM en combat. Car en fait faut voir comment il se joue aussi. Ah ok, ah ouais c'est vrai qu'il y a ça. Alors, j'ai 5%, donc je lui mets 10% de force maintenant. Comme pour Tifa. Alors si je vais sur Tifa, elle a grand poignet de force. Hein. Ok. Kate Sid, je sais pas trop il est quoi. On va lui mettre de la force. J'ai hein. Pare-balle renforcé. C'est le 10%, ok. Le Yinch. On va lui mettre aussi 10%. Yuffie, elle a 2-5 et les PV. Et la waifu elle a 10% en magie. Jusque là c'est bon pour ce qui est des accessories. On va voir des gens qui ont des 3 slots là. Il y a Mégalodon, c'est un 3 slots. Est-ce que pour Tifa c'est pas mieux? Armée abyssale. 32-15. 15-32. Ah c'est le même dans l'autre sens, ok. Et tous les autres c'est non. Ok. On a des matérias. Oui, level up Barrett. Et du coup, je vais un peu le jouer avec ce mégaphone jaune, puis je vais changer. Il est équilibré, je dirais. Ok. Le GOAT. Le GOAT a surtout les matérias. Bah oui, les matérias multi. Les matérias multi-sorts, elles sont cool. Ouais, de. D'économiser des slots, quoi. J'aurais dû faire ça depuis bien longtemps. Hein. J'ai hâte de jouer le chat. On va voir un peu comment ça se passe. On va voir un tuto du coup. Attendez, il me faut un support pour ma pour mon genou. Oh purée, mais quelle vie on mène. J'ai envie de retourner au Japon, moi. Plus de vivre ici. On va trouver une Tifa IRL et on en parle plus, quoi. Moi, j'ai des ramènes toute ma vie. Pas cher. Acheter une maison pas chère en campagne, à retaper. Et vivre au gré d'une rivière, quoi. Streamer à des horaires pas possibles. C'est donc ça la vie que j'ai choisi. Je vous ai malheureusement laissé écouter Shadley.
Et ça c'est moche ça. Mais que voulez-vous, c'est ça la vie hein, que vous avez choisi. Jouer à FF7. Ah ouais, on voit. Ça a débloqué quoi cette tour? Ah juste ça? Ah ouais. Grosse zone d'exploration. Hein. Pas les pampas quoi. Nice. Je vois pourquoi il a pas voulu dodge. A fucking Taylor. Du loot, du loot. On peut rien recrafter, on est d'accord. Parce qu'il faut que j'aille vendre du coup les surplus. Alors que j'aille vendre les surplus. Autant le faire tout de suite, parce qu'on est à côté d'une tour et je peux m'y TP, tu vois. Et là, il y a un distributeur, un vendeur. Un jour Emma IRL, un autre jour Eric IRL, après Tifa IRL, faut savoir. Enfin, la première sur laquelle je tombe, hein, c'est... Emma. Avec Emma, elle me manque. Hein. J'avais rencontré en plus une meuf qui s'appelait Emma au Japon. J'ai regardé, j'ai fait toi t'as de la chance. Hein. T'as de la chance que ce soit possible, sinon t'étais foutu. Hein. Elle dit quoi? Et j'ai rigolé. C'était marrant. Bon bah tant que je suis à côté du banc. Oh, quel homme chanceux. Quel homme chanceux, ce Hellnut. C'est parfait, ça. Tu ne la laisses jamais fuir. En buggy, non, à pied. Genre de femme, on lui met les menottes. La barrette, il a grimpé direct, alors que Claude, il a jamais réussi. Il y a des coffres ici, non? C'est pas une zone à coffres cachée? Ah non, c'est juste une grue. J'adore les grues. Juste un bridou? Vraiment? Juste un bridou. Aucune embrouille. Oh dommage. Peut-être, tu vois. Ça fait longtemps les zones à coffre. On va y avoir ce cactus géant là. On avait vu depuis longtemps en plus. Mais d'abord, on va vérifier qu'on a tout looté. Ah bah il y a le combat contre les cactus. Là il y a R. Je devrais pas aller prendre les quêtes d'ailleurs d'abord. Parce que j'imagine qu'il y a un tableau de quêtes. Bah oui. Dans le Gold Saucer. Dans le Gold Saucer ça? Non c'est en dessous. Dans la carte détaillée. Ah bah oui c'est en dessous. On prendra après, tant pis. Quand j'aurai fini cette zone, cette portion de la map, vite fait, on ira. J'ai mal. Je vais retirer le kinetape que j'ai mis depuis un moment maintenant. Ah, mon poignet respire. J'avais un tape autour du poignet parce que j'ai le poignet un peu en... peu capoute là. Et les quelques jours de repos que je vais prendre là, ils vont faire du bien. On va activer le banc. Mais oui Billy. Je sais. Tu veux que je soulève un poteau. Regarder un petit spot de farm pour level, ça va être long. Ah ouais, j'avoue farmer et tout. Moi j'ai hâte de finir le jeu et regarder un speedrun.
Moi, c'est ce que je ferais si j'étais toi. J'aime bien regarder un speedrun. Les jeux que j'aime bien regarder un speedrun après. Après, les jeux qui font du sens. Jamais trop regarder le speedrun de Legend of Heroes. Parce que je sais pas, ça paraît pas être le jeu le plus intéressant à regarder en speedrun. Mais ce jeu, ça doit être intéressant. En fait, t'es restricté par la mana. Le fait de pas pouvoir utiliser d'objets. Après, moi, je joue en difficile de base. Hein. Je suis en difficulté, je sais pas quoi là, et je mets pas d'objets. Donc, quelque part. J'aime pas quand ça fait ça, quand on est sur PS5, bordel. Et des fois, t'as encore des textures qui pop devant tes yeux, quoi. Juste parce que tu tournes vite la caméra. En même temps, je suis un malade, je tourne la caméra aussi. Qui fait ça de nos jours? Bon, voyons voir Kate Sith. Combattre avec Kate Sith, appuyer sur carré fait frapper Kate Sith avec son mégaphone, la compétence Gros Mog. Il fait appeler un automate sur lequel il montera pour se battre. Les attaques réussies du gros mob remplissent une jauge, donnant accès à des techniques de soutien telles que Hurra galvanisant avec triangle. Certaines compétences sont utilisables uniquement lorsqu'il est appelé. Le gros mob attaque automatiquement. Il disparaît si ses PV tombent à zéro et peut être rappelé immédiatement. À dos de gros mog, maintenir carré lance une attaque combinée. Katie descendra du gros mog si vous appuyez sur rond et remontera dessus avec triangle. D'accord. On va essayer déjà les auto-attaques. Les auto-attaques sont cool. Et voyons voir les compétences. Lancer 2D. Une technique aléatoire. Ah, j'ai bien envie de voir ça. Ça met du temps. Ah, j'ai fait de la merde. J'ai pas eu de chance. Ah, il envoie de la musique. Ok, je peux taper de loin, quoi. Ah, beaucoup le gros mog. Oh, il est trop chier le gros mog. Oh, le gros. Gros mog. Appelle le gros mog et monte dessus. Permet de faire des attaques aériennes et restaure des PV. Si je la refais, ça fait quoi? Ah, ça le réinvoque, ok. Ok. Nya nya. Ah, il fait comme Barrett, il fait le thème de victoire. J'ai pas de patte le... Je crois pas que j'ai pas de patte. Ça a lancé vent et foudre. Ah bon? Ça a fait tellement zéro dégâts, je crois qu'il aimait bien le vent et la foudre, le mec. Ça me fait trop rire les filles derrière avec le chien de loin, genre en mode on veut pas trop s'approcher, c'est des mecs bizarres. C'est comme quand tu rencontres des gens bizarres dans la rue et qui font un truc chelou, qui sont bruyants et tu regardes de loin en mode le monde est en perdition. Oh, les pépites d'or. Parlez-vous. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Une porte. Oh, la maison Pampa est... Pour une quête, ça. Oh, le Gold Saucer. Oui, il est temps d'avancer dans le jeu. On va fouiller par là parce qu'on l'a pas encore fait. Il y a combien? Une heure et on n'a rien fait. Oh, les tornades! Ça passe quoi si on est dans une tornade? Je vais mourir, ça va être génial, je sauvegarde. Je veux mourir. Avec ou sans l'aide de mes compagnons. This must be the sandstorm. Allô? Ah. Oh, je suis avec Tifa et le loup.
titan. And lo, whither should it lead me but these sweltering sands? What is this thing? Oh, c'est Gilgamesh. What misfortune for you to venture so far for treasure already claimed. You would do well to leave, that I may collect what is by rights mine. You think the proto-relic is yours? Proto what now? Relic, you say? Ah, a ridiculous name, unworthy of my treasure. What you knaves covet is none other than a prize in my resplendent arsenal. The get. This form. Oh, le Girgenji. Il se met à pleuvoir, t'es dans la merde dans le jeu. Hein. So what was that? That's a good question. Oh, thank goodness I finally got through. Are you all right? I'm fine. But what the hell was that just now? I'm investigating the matter as we speak. In my initial analysis of the sand entity, I detected a proto-relic-like signal. I'm unsure how they're connected, but I fear we might be after the same thing. Of course we are. There's no telling where it might appear next. Please, be careful. D'accord. Ah, mais c'était le truc du coup de la... Ah non. Parce que ça, c'est pas la proto-relic, les trucs comme ça qui... Qui diodise. Et voilà, les deux frères qui combattent avec moi, ils avancent. Car ils font partie de la team. Oh, la musique s'est arrêtée. Ah, mais c'est comme les pampas alors. You mean that thing? It's been altered. Though it doesn't appear these modifications were made by Shinra. Whoever's responsible may be waiting within. Proceed with caution. D'accord. Laisse-moi voir les environs autour. Comme tout bon inspecteur, on sécurise la zone autour d'abord. It's some sort of monster's den, a fortress, if you will. Whatever it is, I don't think we can get inside. Yuffie, tu peux passer par en bas, non? Commencing scan. I believe I have a match. The symbols resemble those found in the Book of Kings, an ancient tome. Allow me to translate. Hmm, interesting. Well then, in order to unlock this door, you'll need to locate a cactuar rock hidden somewhere in the desert. What kind of rock? A mineral deposit named for its distinct cactuar shape. Now that Cloud has made contact with this door, the rock we seek should be marked by a green look. We did. Oh. That's it. That statue should guide you to the rock I spoke of, which in turn will serve as the key to the door. Je l'ai même IRL. I know you can do it. Le cactuar. C'est ça qui est dingue. Je possède même IRL. Oh, c'est Shadow of Colossus. Oh, la dinguerie.
Dingry of Colossus, utilise statuette Pampa pour trouver les rochers cactus. Lorsqu'elle est tenue en l'air, appuyez sur les boutons pour faire des choses. Ah ouais? Ça n'a rien à voir avec la zone que je regardais, moi. Je repars là? Quelque part ici, quoi. Ok. Bah génial. Le rocher. Lancer. Ah, j'avais pas vu que tu m'avais dit. Vent en foudre. Vent, foudre, feu, glace, heal, régénération, mur, boost, dégâts de magie. Ok. Mur et boost de dégâts de magie. Yeah. Lieu de photo. C'est ici le lieu de photo? C'est pas ouf comme lieu de photo. Il y a du loot. Toutou. Écorce ancienne, bien sûr. Des caisses, j'ai vu. Comme ça, des caisses au pif. Oh, la queue de phénix. J'ai vu les mobs, mais après. Qu'est-ce qu'il fait, Furu? C'est quoi ces bruits de drapeau au vent? C'est vos tours? C'est nos têtes? Alors qu'à chaque fois, je vois hein, les loots au loin, mais je me dis, je vais passer plus tard. Et puis au final, je craque et je passe tout de suite. Il y a une zone de coffre à faire après. Moi je sais que je suis arrivé jusqu'ici, on va retourner là-bas. Je pense qu'on va commencer à jouer au buggy quand même. Le buggy intelligent. Ça n'aide pas avec ma maladie, mais on fait ce qu'on peut, quoi. Ça aide vraiment pas avec ma maladie. Marteau de là, Tiff. Il est vraiment assis à la bien, Barrette, quand même. Une dingue comment il est assis à la bien. Nice. Bon, je vais mettre le... quand même l'arme de Kate qui doit upgrade. Mégaphone d'acier. Attaque horoscopique. Achever un ennemi avec attaque horoscopique. Effectue une attaque dont la quantité de dégâts infligés dépend de la chance du moment.
Je crois qu'il a beaucoup de chance, hein, mon perso. Avec normal. Merci, va gros mug. Des dégâts d'attaque gros mug. Nice. Chance augmentée. Faut que je lui mette ça. Faut que je lui règle ses touches de combat d'ailleurs. Je l'ai pas fait, c'est pour ça que je sais pas le jouer. Comment on fait pour retirer? Et bah, c'est voilà. Donc invoquer le mog, je pense c'est sur X pour moi, c'est les premiers trucs que tu fais. Or sur rond. Sur carré faut que ce soit un coup. Or une charge. Gain d'ATB, un cas d'esquive, ok. Lancer de dé. Attaque horoscopique, je vais mettre sur X, allez. Charge de moque sur carré du coup. Lancer de dés. Moi je vais invoquer gros moque avec triangle. Je vais relancer les dés sur rond. Même si je suis pas fan. Je vais invoquer le gros moque avec rond. Parce que rond c'est rond comme le gros moque. Je vais relancer les dés sur triangle. Ok. Comme ça je sais où sont mes raccourcis. Ça c'est parking à buggy. Ah ouais? On verra ça plus tard, c'est pour le Gold Saucer. On ira dans le Gold Saucer avec le parking à buggy, mais dans le futur. Dans un futur proche, éloigné quoi. On va voir ce lieu de photo quoi. Ah, parce que c'est au pied du Gold Saucer que je considère que c'est beau. Après, oui, hein, ça peut être sympa en contre-plongée, quoi. Mais faut pas déconner. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Est-ce que le buggy il est affiché avec une icône? Donc ça c'est dommage. J'aimerais bien que le voir quand j'appuie sur R1 de loin. Sachez où je l'ai laissé. Après là j'ai pas oublié où je l'ai mis mais bon. À chaque fois que je me retourne et que je vois les filles en train de pas bouger à me regarder faire l'idiot, j'ai l'impression qu'elles me jugent quoi. Alors je suis là, je fais le con, je me retourne et elles sont là-bas, en train de me juger quoi. C'est bon, laissez-moi. Déjà que je me fais juger par le chat à 24 quoi.
besoin de me faire juger par des femmes en pixels. Par des pixel women quoi. Juger par des pixel women quoi. What the hell? On va faire la limite de cette route. Comme as, puis on va retourner chercher le dernier coffre là que j'ai pas encore pris. Elle est où la tour suivante? Ah, elles sont loin quand même. Oh, d'accord. Let's do this. Try this. Gotcha. You're just a fortune teller. Yeah, I was trompé. Merde, je me suis trompé. Est-ce que... Je sais plus ce que je voulais check. Ah oui, est-ce que je suis bien en checkage d'ennemis? Checkage d'ennemis, dévoreur. Licorne. J'ai compris, il y a une zone de vie pas loin, mais écoute le piaf. Pas besoin de toi. Hein. J'ai très bien ma vie d'artiste. Hein. Pas besoin d'un autre piaf pour me dire quoi faire. Hein. Alors, quand même pas. Quand même pas suivre chaque piaf qui couac, comment qu'on dit? Comment est-ce qu'on dit? Qui piaille? Je sais pas. Là, on envoie des ombres de vautours qui traînent au-dessus de nous là. Là je dis vautours parce qu'on dirait parce qu'on est dans le désert, même si c'est pas rendu des vautours. Quand t'es dans un désert et qu'il y a un piaf au-dessus de toi, c'est forcément un vautour. Forcément un vautour. Quand tu veux, hein. Ouais, génial. Ça valait la peine de jouer au jeu. Ici, je vais le voir. Ça peut pas juste être là-bas, en fait. Parce que je dis ça, j'ai même pas vraiment... Je suis même pas allé partout. Ah oui. Y'a quoi ici? On dirait vraiment un mini fort. C'est le port Condor, mec. J'ai hâte d'arriver au Cosmo Canyon. Juste pour le chier, pour le yinch. Pour que le yinch soit en mode mes frères. Mes frères Ashtat, on va mourir. Un coussin quoi. L'objet que j'utiliserai jamais. Ok. J'ai pas déjà utilisé un coussin pour rigoler. Petit coussin là. Petit coussin pour dormir. Ok. J'ai tout fait jusqu'au parking on va dire. Puis jusque là. Je vais faire tout ce qu'il y a ici maintenant je pense. Ouais. Comment? Comas. Ouais. Il y avait rien dans ces caisses quoi. Toutou. Alors il me faut du temps pour remarquer tes messages MDR. Les mecs New Game Plus 5% c'est 4h34. C'est un français qui tient le record. Oui, je me rappelle très bien des remakes, des speedrun remakes. Pas mal regardé. Je me rappelle MV, il faisait des streams de préparation de speedrun.
n'ont jamais vraiment abouti. Enfin si, il a peut-être fait quelques runs. C'était marrant. Ça reste dans le délire de FF6, sketch glitch. Ils font le glitch, skip les chapitres avec Irith, c'est trop marrant. Ok, ça c'est quoi? Ancien arrêt du désert de Corel. Ah ouais? On va utiliser ça comme... comme on s'arrête, justement. Ah, les voitures. Empilées au pif. Bon, écoutez, on va jusqu'à l'eau, on va jusqu'à cette tour, puis on fait tout dans l'autre sens en vrai. Maintenant, on est là, on est là. Attention, faut tout faire. J'ai l'impression d'être revenu au début du jeu à part de Chocobo. On va appeler la voiture. À chaque fois que je fais ça, je fais 3 mètres avec la voiture puis je l'abandonne. C'est ça qui est trop bien. Vous savez que vous kiffez quand je fais ça. Don't overdo it. Grimper ici. Why the fuck? Attendez, on va faire la tour. D'abord. Ah, quoique, on peut pas faire la tour? Oh, that's why. Ça va être avec le grappin. C'est quand tu veux, Claude. Quand tu veux, Claude. Nice. Vont vraiment venir? Attendez. Mais non, personne va venir en grappin. Restez là-bas et faites-vous chier. Regardez l'être idiot là-bas dans le coin. Ouais, c'est génial, mec. Plus une tour du nord, ça. Ça fait toujours plaisir de voir ses collègues se téléporter. Ouais, mais bon, là, il faut quand même couper vers le bas, quoi. Faut vraiment analyser. Ah ouais, j'ai looté des trucs. Bien. Check out this shit, who got this?
my turn. Parce qu'un jour il m'attaque. Nothing to it. Ouais, bon, écoutez. Le désert est grand, hein. Le désert est grand, on va faire demi-tour. Encore beaucoup de choses à faire. Ouais, par là. Oula. On va laisser ce bâtiment tranquille. Ouais, on va laisser ça tranquille et on reviendra les faire après. On n'est pas des animaux. On va dire qu'on n'est pas des animaux. Et du coup, on peut s'en sortir. Oh, c'est quoi? Get ready. It's on now. This is here. Ok, ici, il arrête pas de mourir, what the fuck, mec. Arrête de crever, bro. C'est pas cool. C'est pas cool de te voir mourir. Merci, Erit, pour le soin énervé 1500, eh bé. La voiture a disparu? Ah non, c'est bon. On va y voir Alexander qui doit mettre son jugement machiavélique sur les humains qui veulent mourir. Sur les humains qui font n'importe. Oh, le loup du jugement. Ah ouais, ça commence comme ça. Ciao à tous. Gotcha. Keep it together. Non, miam miam, oui. Est-ce que... Voilà. Pas temps d'être au moins au volant. Est-ce qu'ils ont fini? Oh, arrête, il veut pas finir. Hein. En même temps, j'utilise pas sa technique. Je me plains de Barrette, mais j'utilise pas la technique de Barrette. Da 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 da. Je me suis fait téléporter. C'est abusé. Attendez. Ouais, c'est si haut que ça. Pas aller plus haut là-bas? D'accord. Mais d'où vous venez, vous? Post arnaque. Alexander. On va voir. On va voir si je sais appuyer sur des touches. Carré, rond, rond. Carré, rond, rond. Je me rappelle que Alexander était trop stylé. Son design, c'est... Alexander, ça reste l'une de mes invocations préférées. Hein. Avec Bahamut. C'est abusé comment il est classe. Même son concept. Hein. Le truc du jugement. Ah! On est dans une grotte, mec, ça marche pas.
Dommage. En même temps, quand t'es dans une grotte, c'est pas facile hein, d'entendre les gens parler. Je sais pas si vous avez déjà essayé de parler avec quelqu'un dans une grotte. C'est dur de fou, mec. C'est dur de fou. Pour avoir essayé, je peux vous assurer que c'est dur de fou. Je sais pas pourquoi j'ai la sensation d'avoir raté des mobs dans cette zone et j'ai toujours pas rencontré des mobs. Je vais faire un truc, tiens. Juste coller le mur ici. Pour être sûr. Ah, mais c'est pas, ça sert à rien. Vu qu'il y avait la grotte. Par contre, ici, ça sert. Ça avec, je passais à côté de ressources. Mais bon. Sur 88 objets de Johnny. C'est Johnny Hallyday, ça. Toujours dans l'exagération, cet homme. Je vais laisser le véhicule là pendant que je longe. Pendant que je joue au jeu. Ça prend une seconde, le truc circulaire là. Qui était rond que vers l'avant. J'ai l'impression que c'était la grosse roue qui est la grosse grue avec une roue qui attaque Toby. Ah merde, je dois me ban. Je parlais de Nier, what the fuck. Enfin, what the fuck. Dommage, mec. Nanana. Désolé, son chien à voir. Ouais, je vois le genre de truc qui rajoute de la durée de vie alors que le jeu est déjà infini. Comme par exemple longer les murs. Imagine, il y avait un pourcentage de complétion de map par rapport à la visibilité comme dans Celceta. On se moquerait moins de moi qui longe les murs. Hein. Je longe ce mur jusqu'à ce qu'il s'arrête. Rien à faire. Même si j'ai raté plein de trucs. C'est plus important pour moi d'avoir cette satisfaction là. Let's go. Hein? Ah mais c'est le banc que j'ai déjà fait. Oh mais c'est la roue qui tourne, qui a tourné ça. El famoso roue qui tourne, qui a tourné. Oh il est là. Salut bro. Vous savez quoi, on peut aller le voir. De toute façon, on sait qu'après, faut que je fasse cette partie-là. Et faire ce truc-là, et puis revenir faire ça. Ah, mais il a disparu. Ah, merde. Il est où, maintenant? Il était là. Oh, il était là il y a 2 secondes. Oh dommage. Oh le géant de sable. Eh. Jamais je les touche. Ah la marche arrière va vite. Ah oh, je peux faire un jump. Oui. C'est le meilleur jeu. Il m'aura pas fallu beaucoup. Hein. Il m'aura pas fallu grand chose, hein, je dois l'avouer. Stop.
Keep it together. All right! Watch and learn! Bring in the heat! Get back, you go! Ikara! Break a leg! Hang back! Suck on me! Ow! How do you like that? C'est pas level 34. All done. Je vais jouer d'autres persos, tiens. Ah non, c'est bon, non? Oui. Oui, c'est bon, non. Kate, remets ton mégaphone qui a plus de matériel. Kate, brassard forteresse, c'est bien beau, mais... Mets un brassard qui a plus de matériel, s'il te plaît. Waouh, protège garde hirondelle, 27-27, faut que je le mette à quelqu'un. Voilà, comme ça, je te mets encore une matériel à level up. Et je te mets. EP augmenté, allez, de toute façon, t'as aucun PV. À qui je peux mettre le nouvel accessoire là? Il a l'air bien. Moi, j'ai quoi? 30-14. Il y a 27-27. Ah, en plus j'en ai un qui a que 2 slots, c'est pour moi. Hein. C'est pour moi ça. Je peux enfin mettre plus de trucs. J'avais retiré un truc que j'aimais bien, je sais plus c'est quoi. C'est pas garde, quelque chose. Garde renforcé. Réduit grandement les dégâts, augmentent grandement la TB. Ah bah ouais, c'est pour moi ça. Ouais, et Red, ben, démerde-toi. Hein. Carte précise renforcée. Garde précise, c'est quand tu veux augmenter les dégâts de choc en cas de garde précise réussie. Ah non, ça c'est mieux, ça. Je veux les deux, en vrai, mais bon. Je vais donner au Yinche. Je vais donner au Yinche. Que je vais donner au Yinche. Qu'est-ce que je vais donner au Yinche? Da 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 da. Ah, je sais pas. Hein. Résistance aux altérations deux fois. Genre le mec, je bourre la même chose. Magie auto augmente la magie de 2%. Vas-y, magie auto. Hein. Pourquoi pas? Envoie des glaçons gratuits. De toute façon, je vais pas le jouer. Je vais refaire mes teams. Enfin, cette team. Bah, la team. J'aime bien cette team là, moi. Quand elle est en team 2. J'aime bien Tifa Yuffie, moi. Et quand il y a des vrais problèmes, on sort Erit. Quand il y a besoin de vraiment jouer au jeu, tu sors le mage. Mais pour les randoms... Pour les randoms, qui a besoin d'un mage? Lui taper. Grenade. Ok. Qu'est-ce que c'est que cet arbre rouge? What? C'est l'arbre blanc rouge de Minas Tirith, ça. Je reconnais. Il va y avoir une quête. Je sais pas si je peux dire les objets de Johnny. Bon, est-ce que c'est vraiment important? Les objets de Johnny, c'est suffisant, non? Faut lui aider à avoir le 7 étoiles. Le 7 étoiles de Johnny. Ready? Do
it! Let me out! Ça fait mal quand même, tranche en artillerie une fois que c'est chargé. 3000 balles là. 3000 balles! On se croirait sur un stream de dons caritatif. Oh le piaf! Oui, bon, ok, je vais y aller le piaf, c'est bon là, j'ai compris. J'ai compris le piaf. La source de la vie, tout ça. Nanana, la vie, la source, le néant. Hein? L'agencement de bonnes choses à travers les rivières du flux de la vie terrée. Ah oui. De la flotte, quoi. Le piaf, il a soif et il veut... Il a honte de me dire ça, simplement, quoi. La vie de la mort. De la vie de la mort. Mais non. La mort, vraiment? Tu vois? Ils nous font le bullshit de base. De la vie de la mort. Ah bah génial. Hey Tifa, il a vraiment craché Tifa comme si c'était un bulldoze dans son poulet quoi. Oh, il l'a craché comme une merde. Désolé Tifa, t'as dû vivre ça, ben, écoute. Bro, ah t'es là bro. Oh bah je vais chercher direct. Non mais le temps que je monte, il va disparaître. En fait faut pas que je le trouve, faut que je trouve la proto-relique. Est-ce que je peux sauter au pif comme ça d'une hauteur à... Ah il veut pas. Le jeu m'a fait tourner exprès. Ok. Hectaras. Oh, descendre de cette voiture, vraiment. C'est une plaie. Saute, mec. Saute vers l'avenir. Saute vers le futur, vers la vie. Prends la vie. Prends la vie dans les bras. Prends ton avenir en main. Prends tes choix. Décide de ta vie. Fais ce qui compte. Oh là là. Sois heureux, fais ce qui compte, Cloud. Voilà, merci. Soyez toujours heureux dans votre vie. Ah c'est vrai, faut que j'appuie. Je ne suis pas en voiture. On les loot. Ah voilà. Oh du gingembre perlé. Pas mal pour manger ça. Les cailloux. Oh, J'ai choqué le screen là en faisant des allers-retours comme ça. Moi aussi j'adore l'eau. L'eau de la vie. De la vie de la mort. Bon. De la vie de la mort. De la vie de la mort. Ouais, on va en bas maintenant. Là, il reste ça en face de nous. Et ça à notre droite, non? C'est sans doute des zones de coffre. Ou pas. En tout cas, ils ont les boîtes qui vont avec.
Et Daimog. Parez-vous. Sinon vous faites découper par le découpateur. L'homme qui découpe plus vite que son oncle. Oh le trou. Le trou pour faire l'amour là. C'est bien comment on se bat depuis tout ce temps, on a presque rien fait. Et c'est ça qui est beau. Petit peu de synthèse. Petit bandeau là. Ah, il faut une serre de Quetzo truc là. Faut que je fasse le combat. Pas oublier de faire un Quetzal. Je vous avais dit des coffres. Mais on me coûte jamais, tu vois. Morceau de mitrine. J'ai vu le coffre au fond, ne vous en faites pas. Je suis un aventurier avant tout. Trois mille balles. Il y a encore du... Pas un tonfion l'oiseau là. Oh là là. Un tonfion. No time to celebrate. Ah, y a utilisation répétée, je viens de découvrir. Là, je peux spammer. Oh. Nice. Ah mais attendez, je vais mettre RD fait à côté de la materia qui XP vite. Et mettre RD fait là. Je vais la mettre directement à côté de PC augmenté. Pour la simple et bonne raison qu'elle doit monter vite RD fait. Ensuite pour Tifa, je dois pas lui remettre Point Kaiser, c'est peut-être pour ça que ça sert à rien. À 100, 104 c'est quand même pas dégueu. Parce que je lui ai mis les bonus qui font... Ouais. Mais comme ça, elle a plus de matériel. Mais oui, tous ces matériels qui n'XP pas, oh là là. Et sur les accessoires, est-ce que j'ai beaucoup d'accessoires qui ont plus de slots? Non. Je pars en 3, il y en a un qui a 4 et il est sur Hérite. Ok. Tifa. Y'a pas. Comment dire plus de 20 oh. Mis quoi? Ah mais je lui ai mis attaque magique plus 20. Et un autre attaque magique plus 20. Et B. Vas-y, moi ça me chauffe. Pourquoi ça me chauffe? Je pense qu'en off je referai un peu mes matérias pour le plaisir. Parce que là je, mes matérias elles sont vraiment mises dans le seul et unique but d'XP des matérias. Donc à chaque fois qu'il y en a une qui est maxée, je la retire. Je n'avais pas forcément les meilleurs sur les persos que je joue. En même temps, est-ce que c'est nécessaire? Franchement... On a tous vu que non, hein. Euh...
Ouais. Je pense que je vais aller au sud, mais pas par là, parce que par là, c'est la suite du jeu. Oh, la voiture. Quoique ici, la voiture. C'est un peu chiant. Ah merde, des trucs qui brillent. Ah et Tifa, ça m'étonne pas qu'elle ait autant de force. Tifa. Nice, je vais écraser les coffres aussi. Oh trop bien. Les caisses je veux dire. Merde. Let's go! C'est trop horrible de ça donne envie de rouler super vite, mais je suis obligé de looter dans ma tête. Sinon, des choses horribles auraient lieu. Genre la mort du fun, tu vois. La mort entière du fun. Pour moi, la marche arrière marche très bien. Quand tu fais marche arrière, ça marche arrière. Ah, donc là-bas, c'est la suite du jeu. Je me rappelle plus dans le normal, Gongaga ou Nibelheim, je sais même plus. On verra. Peut-être Gongaga. Gagaga! Gagagagagaga. On dirait un mec malade. Voilà. Oh la radio musique. Ah c'est bon, la musique normale revient. Gagaga. Oh, j'y vois que dalle. Pourquoi je suis venu là moi aussi? C'est des zones qu'on check à pied ça. On va descendre. This is another modular reactor, but I'm not getting a signal here. We should prioritize locating the Cactuar rock for reactor 1. C'est qui t'a parlé, sale merde? Mais vas-y, Tifa, elle peut sauter, moi je peux pas. C'est quoi cette arnaque? Palalalala. Gaga, gaga, gaga. Y'a que mon neveu, il pourrait dire ça. En premier mot. Il dit Gongaga. 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 Oh le parcours il veut pas aujourd'hui Cloud. J'ai l'impression que quelqu'un avait un petit bruit de micro. Allez bah super le petit. Il va mieux que ce jeu. Hein. Pour vous dire à quel point il va bien, tellement le jeu est et le jeu est super et mon neveu il va encore mieux. J'aime pas ces mobs et à chaque fois que je les vois, je les attaque, je suis vraiment un malade. Ouais, génial. Ouais.
that again. Merci Tiff d'avoir fait ton dive. Ça m'aurait énervé que tu le fasses pas. Encore impossible de prendre des morceaux de zinc, mais j'en ai trop, alors qu'avant j'en avais jamais. Au secours! Au secours! Ouais, je dis. C'est vrai qu'on allait chercher les quêtes. Là, on va jusque là déjà. On va prendre la voiture. Ah, la vidéo fait une, presque deux heures. Ouais, génial. Et que c'est une bonne vidéo, quoi. Ah ouais, il y a le futur par là. J'adore les marches arrière. Ouais, comme quoi j'avais raison. La tour dans le cul de sac. Let's go. Bah génial. Ça commence tout de suite, c'est super agréable ce jeu. Oh là là. Ah ouais, même quand t'es pas dans le bon sens de la roulade, tu peux pas taper, c'est de l'arnaque. Ah, j'ai tué l'autre déjà, ouais, génial. Je vais mettre des spells dans mes persos. Tifa est pas censée avoir... si hein, je crois qu'elle a feu et glace de toute façon. Bah si, c'est juste jamais je pense à envoyer de spells. Elle, faudrait que je lui en mette un. Bénéfice renforcement, chronomancie contrainte. Chronomancie. Où est foudre et vent? Il est où? Évolution PC augmentée. Ah oui, RDF. Je suis avec le yinche. Ou alors je peux switch. Glace. Elle a pas vent et foudre. Et elle a vent et foudre et foudre. MDR. Vraiment que je repasse. Hein. Les tours Ubisoft. Après, je serais dans un jeu Ubisoft, ça ferait longtemps qu'on serait tous pleins que c'est de la merde. Mais là, forcément, vu que c'est FF7, meilleur jeu du monde, quoi. Et ça, c'est pas... être un Yankli. Ouais, je sais, je suis un Yankli, en vrai. Faut l'avouer des fois. Hein. Par exemple, j'ai trop hâte d'aller au Japon pour aller manger au restaurant Square Enix encore une fois. Je suis un Yankee, pardon. C'est pas vraiment moi. Hein. C'est plus une phrase que j'utilise pour faire une conclusion à cet épisode, quoi. Allez, bonsoir. See ya.